n'avais rien vu. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Max et Moulin. On se retrouve pour la suite de la solution. Oui, on enchaîne là. De Resident Evil 5. Bien. Et on s'est arrêté la dernière fois, vous vous rappelez sûrement, j'espère. Après avoir affronté un boss assez naze. Et celui-là, je vais le vendre. Tu sais, tu peux le prendre maintenant, le Dragunov, hein, celui qui est dans mon l'avant. Oh oui, la Dragunov. Je vais aussi vendre quelques trésors. Attends, laisse-moi vendre les trésors, puis après je te laisse... Nouveau diamant brillant. Oh putain, le diamant, je le vends pas, t'es fou. Et ce niveau, il va être très court. On le vend, là, je lui dis, là. Par contre, dans ce niveau, nos armes vont servir à rien, tu verras pourquoi. Mais bon, on peut quand même les améliorer un peu, hein. Pourquoi on ne servira à rien? Tu verras pourquoi. Laisse-moi pas te gâcher la surprise, donne-moi ton flingue. Ok, mais attends une seconde, faut que je désactive le plaf. J'enlève la matraque, hein. Ok, Michel, mais n'oublie pas tes petits souliers. Je te donnais la matraque en fait exprès, désolé. Attends, je te la rends. Tu la veux ou... Non, c'est bon, me retire là. Bah, au moins on aura eu le temps de voir. Je t'ai donné mon flingue. Oui, oui, je vais te l'améliorer. Attends, je vais essayer de vendre quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais vendre? Qu'est-ce qui pourrait me rapporter du fric? Ok, attends, je vais essayer. Oui, je vais essayer de vendre des trucs pour me rapporter du fric. Non, ça c'est pas assez. Méchant de Magnum. Pas assez. Alors. Tu peux vendre un Dragunov, on n'a pas besoin. Donne-moi les grenades pour voir. Ouais. J'ai déjà vendu l'autre Dragunov, hein, c'est pour te dire. Bah pourquoi il est encore dans l'inventaire? Hein? Pourquoi il est encore dans l'inventaire? Ah non, pas le Dragunov, l'autre, je veux dire. L'autre. Ouais, moi je garde toutes les armes au moins en un exemplaire, hein, moi je te le dis. Okay. Bon, tout compte fait, attends, je te laisse les grenades. Oh, je crois que je peux pas t'améliorer ton flingue. Bon, donne-moi par contre ton fusil de précision alors. Tu vas attendre. Tu veux pas la mitraillette toi? Tu la prends plus? Non, je prends plus de flingue. Non, je te conseillerais de la reprendre quand même, la mitraillette, elle est bien. Okay. C'est le seul que t'auras d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que je te conseille d'en profiter. Hein. Je te filerai pas d'autres fusils d'assaut. Hein. Mais prends les deux, le flingue est... Bah non, il faut de la place pour mon fusil. Hein. Sinon, je peux pas mettre de mine ou de grenade. Bon, vire la mine alors. Non, j'enlève la... Ouais, ça enlève. Retire-les tous. Retire tout ce qui s'est... T'as vu, c'est chiant avec les emplacements là. Ouais, c'est bon. Attention, donc là, je t'améliore ton... Ouh, je t'ai donné une merveille là. Comment ça, c'est pas combiné? Parce que il est déjà à fond du con. Ah ok. Ouais. Tu veux pas mettre le Dragunov On s'en fout, allez, vas-y. Vas-y. Combien de temps il va durer, chapitre? Tu vas voir, ça va être rapide. Ouais. Je crois qu'il y a plus de... Les cinématiques sont plus longues que le chapitre en lui-même. C'est limite ça, tu vas voir. Très bien, Charles. Ah oui, c'est bon, pour moi, on va pas prendre d'armes, on va utiliser le pâteau de l'arrière. Bravo! Je me disais aussi que quand je l'ai vu, dans le chapitre précédent, je me disais, oh, on va utiliser le pâteau. Putain, ils sont assez intelligents pour prendre des motos. J'avais pas ça. On m'a menti donc. À l'entraînement, on m'avait dit que les Noirs, ils savaient pas conduire de moto. Faut cliquer du con. Putain, on a une barre de vie. Quand il t'appuie sur les boutons là, il faut cliquer. Sauf si tu veux qu'on crève. Ouais. Fais gaffe, hein, la mitraillette, elle peut surcharger, hein, la mitrailleuse. J'ai perdu plein de points de vie, hein. Essaye de détruire le camion, là. Ah, il y a un camion? Ah oui, à droite, là. Regarde, on a déjà perdu la moitié de la barre de vie, hein. Hang on!
perdu un point de vie. Faut cliquer ou faut maintenir? Faut appuyer plusieurs fois. C'est ce que j'ai fait en plus, hein. C'est ça, je t'ai vu, t'étais comme de... T'as jamais fait de QTE ou quoi? Non. De ton côté, moi, j'y peux rien. Pas de l'autre côté, il y a aussi un camion, mais je suis pas sûr. Non. Il y a des motos. Mourir, on va. Faut vraiment être vigilant, hein. On est en normal, on peut pas se permettre. Putain, mais ils font trop bien, ils ont les moyens, c'est une moto. Ah non, fallait saisir. Enfin, je sais pas. Ils savent pas bien expliquer. Donc là, les mecs sont attaqués. À droite. À gauche. On est mort, on est mort, on est mort, on est mort. On va dire qu'on doit tout faire depuis le début, hein, pas de contrôle. Moi, j'ai bien l'impression. C'est pour ça que je t'ai dit d'être vigilant, du coup. On va pas se recommencer depuis le début, quand même. Non, c'est bon. C'est pas là où il y a deux camions qui viennent de te taper, je suis pas sûr. Non, c'est là où il faut lancer leur pétard, là. Là, il faut les niquer avant qu'ils lancent leur pétard, hein. Saloperie de motif, merde. Mais là c'est nous la grave bande de PD. On a réussi. Attention, toi tu t'occupes de la droite. Il y a deux camions qui viennent à ce moment-là. On peut avoir les chauffeurs, tu le savais? Hein? Non. Alors je te la prends. Bon, mais qu'est-ce que t'es bonne? C'est bon, on a perdu. Hein. Non, on n'est jamais sûr. Hein. On a éliminé les camions, donc c'est bon. Il y en aura plus de camions, là? Pas sûr, mais bon. Non, en fait, tu l'avais pas éliminé celui de droite. Ah, d'accord. Merci. Vous avez pas capté, moi, il a explosé, il y en a bien un autre qui est revenu. Hein. On va mourir, le sang. Oh, point de contrôle. Il nous reste un pixel de vie. On tient sur les bidons, là. On s'en bat les couilles, on est à point de contrôle. Voilà. Non, on est mort deux fois, disais. Tirez donc sur les bidons, il y en a sur le camion, il y en a par terre, il y en a partout. Hein. Mais le problème c'est qu'on se fait niquer si jamais on... T'as vu, il fait nuit super vite là. Hein. Ouais. Quand on est arrivé, c'était crépuscule, puis là d'un coup. Hein. Et là tu vas voir, dans très peu de temps, il n'y aura même plus le soleil. Hein. Pousser dans le ravin, faut vraiment les éliminer là. Ouf. Il n'est absolument pas de contrôle là. Ça va, voilà, c'est bon, cinématique. Oh, putain, c'était chaud. Évidemment, on a un peu à shooter, hein. Ah, les PD. T'as vu quand je te disais qu'il fait nuit d'un coup, hein. Mmh.
moto passe pas. Oui. Allez, laissez-moi la vite. Déjà fini. T'es vraiment vulgaire, toi. Ouais. Non, non, il reste le boss. Oh, merde. Ouais, il y a tout le temps des boss à un chapitre. Bon, on aura besoin d'armes, alors. Hein? On aura besoin d'armes, alors. Ah non, on va le linker à la mitrailleuse. Ouais. Ça va être... Ah, mais ils sont dormis ou ils sont morts? Ils dorment par terre, mais c'est normal. Ah, d'accord. Ils essaient de s'habituer à la civilisation. Ah, je croyais ça aussi. Donc voilà. Ça a l'air d'être le seul survivant, lui. Hein. Comme d'hab. Heureusement qu'il est parti chercher notre équipe. Mais t'as pas entendu leur appel, l'équipe d'Ata, ils avaient dit qu'ils étaient, se faisaient attaquer. Ah ouais. Where is Josh? Oh, il bat fort son cœur. Tu me laisses la surprise pour le moment. Si j'ai bien compris. Un pied! Ah bah il est mort là. Un géant maintenant! C'est quoi ce délire? Il y en avait déjà un dans Resident Evil 4. Oh bon, non. Sauf que ça c'est son papy. Hein. Non, non. On va faire comment pour se le buter ce connard? Ben... tu verras. Faut lui tirer dessus et attendre qu'un parasite sur son dos pour lui péter ensuite. Hein. À tout à vue. Évidemment, on est des super-héros en survie. Hein. Évidemment, on pourrait se casser avec la bagnole, hein, mais... Mais il a dit, là, il a dit mon autre camion. Ah d'accord, quoi. Évidemment, on pourrait se casser avec la bagnole, mais non. Vas-y, on lui pète sa tronche. Hein? Évidemment, péter la tronche à quelque chose qui est 10 fois plus gros que toi. Oui. Donc là, t'as des bidons un peu partout, il faut lui tirer dans la tête surtout. Hein. Et fais gaffe, hein. Il aime ça, hein. Ce que je te dis, tu sais pourquoi je te dis fais gaffe? Parce que la mitraillette surchauffe, hein. N'oublie pas. Là, faut tirer dans ces parasites, là. Il y a aussi des ennemis qui nous tirent dessus, là, sur le toit, là. Il va faire un bowling, faut péter le caillou. Bon, on n'a pas réussi. Qu'est-ce que tu branlais? Je dirais dessus, mais bon, c'est un peu dur à maîtriser, quoi. Oh, attention, là c'est chaud, hein. Il faut surtout pas qu'il nous propulse, sinon il nous one-shot. Peut-être t'as pas compris, on tire sur le parasite, c'est ça. J'avais dit que ça peut chercher aussi. Hein. Ça y est, non. Non, non, qu'est-ce que tu rêves? Faut lui tirer aussi sur son gros parasite. Là, faut recommencer la manip, je crois qu'une seule fois et c'est bon. Hein. Voilà. Lui tirer sur sa tête jusqu'à que les deux parasites sortent, les péter, puis ensuite voilà. Faut appuyer sur le bouton comme ça, hein, si j'essaie de me tromper. Qu'une seule fois, hein, je sais pas. Il y en a pas que là, c'est pareil. Non, non, il y en a quatre. Là, on s'essaie de que je t'ai dit. J'ai essayé de faire, mais bon. Bah, mourir, là, hein, si tu arrives pas. J'ai pas envie de recommencer le combat. Hein. Pas envie d'en prendre un. Dans la merde, là. Bah, c'est sûr, si tu sais pas appuyer. J'ai fait que ça, moi, d'appuyer. Sur le bon bouton, hein. Hein, c'est pas la croix de la play, hein. Pas le type de but. On est mort, là. Là, il faut esquiver ses attaques. Attention, pas par toi! Attention! Ah, on a eu de la chance. Tu comprends vite? Ouais. Faut bourriner, là. Voilà! Enfin, fils de pute, il est mort. Et attention, mode... Ah! Mode de explosion 3 secondes.
on a laissé au cul là. Fais dodo. Puis là il se relève et poum. En fait il est mort l'autre blanc. Il s'est fait écraser non? Bah oui du con. Ah c'est leur plaque. Where are you, Josh? Dans ton cul au fond à droite. Sheva, you don't have to do this, you can still back out. What about you? I've got a personal stake in this. A personal stake? Chris, look around. We should stake personnel. I'm not here just for the mission. What are you talking about? A while back I received some intel that my old partner was still alive. At first I didn't know what to think. But when I saw the data file from Delta Team, I knew for sure. Jill is still alive. That woman in the data file. Are you even sure it's the same person? Non, je suis pas sûr, mais je vais quand même. I'm sure. Wait. C'est marrant, mais moi je l'ai pas reconnu, Jill, hein. En mode blonde. Hein. You're not going alone. Hein, t'es d'accord? Chris, wait. I don't have much time. I have to find her. I'm going with you. Et comme de pensant, on tombe sur un bateau qui marche. Le seul bateau. Quoi? Qui marche? Sure about this? A second ago, you were ready to cut and run. I can't just turn my back and walk away. Putain. C'était l'occasion casse-casse, enfin. Hein? We're partners. C'est l'enfoiré. Elle est bonne. Now let's get moving. Oh, elle est bonne. J'aime pas sa gueule. T'es sérieux là? Ouais. Mais t'as aucun goût. Oh, et là, si t'as reconnu, on était de nouveau dans les docks. Hein. Tu sais ce qu'on avait visité précédemment. Ah, on évacue. Plus que toi. Attends, Michel, te précise pas trop. Alors, précision, rang A. Toi, rang B. Ennemi vacu 38, rang A. Toi, rang S. 41. On est mort deux fois comme des cons. 41. T'as vu, 8 minutes. Combat les couilles. Enfin, 8 minutes. Ils ont pas compté les cinématiques, évidemment. C'est plus que toi, j'en ai fait plus. Et on a fait rang A, finalement. Il fait plus d'ennemis que toi. Ouais, mais finalement, on est à égalité, vu que moi j'ai une meilleure précision, mais toi plus d'ennemis. Donc, finalement. Combat les couilles, j'ai gagné. Lapin. Ouais. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ouais, moi aussi. On se retrouvera prochainement ou pas avec l'autre blaireau à côté de moi. Si, on fait trop rapidement, bien sûr. Et on fera plein de choses. Resterai jusqu'au bout pour te vertir. Pour me faire la mûre. Genre là, mon gars, tu rêves. Bon, ben, on n'a pas besoin d'améliorer. Ouais. Vu qu'on a obtenu aucun argent, rien, que dalle. Kuchi, walouf. J'espère que ça vous a plu. On vous dit à la prochaine. Et je vais laisser la dernière minute de parole à lui. Il est capable d'improviser, allez, vas-y. Une minute de parole? Oui, raconte une petite cantine pour alors. Une petite cantine. Non, vaut mieux pas. Je peux faire de la pub tant que j'y suis. Oh, allez, t'es trop sympa. Oh, merci. Et comme il se marre. Dommage que vous voyez pas ça. Bref. Pour ceux que ça intéresse, n'est-ce pas, Moulin? Tu coupes, je te frappe. J'annonce que je fais. Mais je vais te frapper. Que vous pouvez toujours passer sur ma page Facebook. T'arrêtes. Pour regarder les premières vidéos que j'ai commencé à poster. Moi et mon frère qui est dans ma team. Voilà, donc si vous aimez Call of et si vous aimez vous marrer hein, et que vous aimez vous foutre de ma gueule, vous venez regarder sur ma page Facebook. Vous tapez Team KSR sur Facebook et vous devrez trouver normalement. Allez, je vous dis merci et au revoir. Bon allez, je vais pisser, salut. Ah le con.